Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci et bienvenue encore une fois de plus à suivre ce nouveau numéro de ce matin, ce 15 février 2024. Les dames et messieurs de partout où vous nous suivez, Tourobi Matondo Mingi Nabaye Oyobazo Landabiso de partout au monde, Tourobi vraiment. Matondo Mingi Naba Oyobazalaka accroché Naba actualité. Oyo soto pesaka ba oyo bazalaka toutefois connecté pour balanda biloko oyo ezoleka à l'est de la République. Les dames et messieurs, c'est par ici, c'est ici où se passe, où se décrive, où place ba actualité nyoso ezo katana ezo pesama nango. Donc bofanda na bino très bien, bofanda na bino à l'aise. Les autres copains bino ba sango oyo ya makambo nyoso ezoleka à l'est de la République. Ba situation ya makambo oyo boyebi oyo bozo yoka oyo bozo mona na ba internet oyo bozo mona na ba réseaux sociaux, est-ce que eza ya bosolo to eza ya lokuta? Lelo to kososola, lelo to kobeta masolo sera plusieurs actualités oyo zo le kanakati ya mboka. Banguna oyo bazo agresse mboka wapi bakomeli? Banguna oyo bazo linga bazwa cité ya Sake, ville ya Goma, position ya bango eza nini? Oyo makambo bazo sala, est-ce que réellement ekosimba nango? Est-ce que ekosimba te? Wapi position na bango ezali? La réalité des choses, c'est quoi? Moi, je suis parmi les personnes oyo bafandi à l'est de la République, naza disponible ngayoyo en direct de la ville de Goma, sur Congo Live Télévision, déjà de Koracho. Si mananga ici est lobby, vérité ezali. Biso tozo vivre vérité, biso tozo vivre bosolo, tozo vivre makambo ndenge zo kende. Tu peux être au diaspora, tu peux être à Lubumbashi, tu peux être à Kinshasa, à Kisangani, à Bukavu, mais moi là je suis à Goma, nazo mi rendre sur le terrain, je vois la vérité des choses, je vois la réalité des choses. Pour commencer, je suis Youssouf Kibingila David, journaliste d'investigation, je suis basé à l'est de la République, précisément dans la ville de Goma. Et je suis là encore une fois de plus pour vous apporter les nouvelles. Les autres autant à moi, Mingi, je vous ai toujours dit, lorsque je me rends sur terrain, je crée toujours beaucoup de choses. Lorsque je me rends sur terrain, je n'ai notaka, donc na komaka chaque point oyo na zomona, chaque bosolo oyo na zomona, chaque likambo oyo eza ya solo na zomona. Yango eza na tina keno bino bofanda biso topesa bino basango ya makambo ndenge ezali. Dans le territoire de Rutshuru, Tokubanda, dans le territoire de Rutshuru, où les affrontements se poursuivent comme pas possible ces derniers temps, où les M23 bazoumi renforcé 10 jours au lendemain, donc chaque jour bazoumi a renforcement. Ya ba Ougandé oyo est confirmé déjà, ya ba Ougandé na ba Rwandais bazoya ni en homme ni en arme. Bazo tia bango ba munitions, bazo ya chaque jour kiri kiri, parce que il faut boye bakeno. Si le M23 ba kota na Congo, ba kote la na katia territoire Rutshuru, na base wana, oyeza na territoire wana, na base na bango wana, wana nde FRDC pezo attaquer mikolo. C'est-à-dire, ne pensez pas seulement que les affrontements se concentrent dans le territoire de Masisi, mais également les affrontements se concentrent dans le territoire de Rutshuru, ou même les M23 sont en train de déborder, bazo déborder na bango. Bamboko bazaki basi bazuite o FRDC zaki ofanda bazolinga bazwa pe bamboko wana wana nde FRDC ango e boyi elobi boko bima wana te boko traverser eloko nani mboka wana te. Les affrontements se poursuivent ni dans les Masisi ni dans les territoires de Rutshuru ni dans les territoires de Nyiragongo. Ils ont trois territoires envahis par le rebelle du M23 oyo bazolinga batia poa o bazolinga ba récupérer. Mais mapinga ma ekolo FRDC oba ndima na bango kufa pona ekolo isola pour que eloko wana e salemate. Plusieurs sources remportent la tentative kamikaze vers des rebelles M23 qui s'enfoncent encore une fois de plus en hommes et en munitions. Ces derniers encerclent la cité de Nyanzale qu'ils cherchaient à contrôler dans les jours à venir et qu'ils ont toujours cherché à contrôler, bien que les
FARDC ne les a encore pas laissé cette opportunité d'y entrer ou de le faire. C'est-à-dire, Nabitumba oyo zo mi déroulé na kati ya territoire ya Rutshuru, M23 ezolinga ezwa cité ya Nyanzale. Cité Nyanzale eza occupé par le FRDC. Mais boro yango esi boyi, makambo yango ezo simbate. Dans le territoire de Masisi, après une journée entière de rude affrontement entre les rebelles du M23 RDF et l'armée congolaise dans les collines de Kabase et Ndumba, les jeunes résistants patriotes Wazalendo et les FRDC qui avaient déjà délogé les rebelles dans les mi-journées se sont vus repousser l'après-midi pour l'heure. Les collines du Mufuni Shanga sous contrôle du M23 Dobazaka na ba colline wana ndenge na ebisaki bino que non jusqu'à présent la cité de ça qui est contrôlée par le FRDC, mais les collines un peu loin na ba 4 km 5 km est contrôlée par les rebelles du M23, pendant que les rebelles du M23 étaient déjà aux alentours de la cité de ça, c'est-à-dire bazaki à moins d'un kilomètre na cité à ça. Mais grâce aux affrontements qui ont été survenus cette heure, grâce aux affrontements où il y a Betana qui a bien, grâce aux affrontements où il y a des jeunes Wazalendo, résistants Wazalendo, ni les FRDC, ba boya qui na bango, ko tike la bango, espace wana. Ba pour chassa qui bango na 5 km, place Bazolo Bela, Elo, Bazala bango mba, où il y a l'icolo, il y a cité Asake. Mais la carte à cité Asake, ce n'est pas que non, il se divise la cité de Sake. Non. Bazana ba colline wana. Bazana ba ngomba musika. Moi musika, c'est-à-dire à 5 km. Na ba ngomba ya Sake. Mais koloba ke non, oh bazui Sake. Oh basi bazui mboka wana. Wana eza lukuta. Bako sabino bongote. Oh eza media moko munene. Koma ki makambo wana. Sto etre vre lukuta. Le saviez-vous qu'ils sont dans les camps de l'ennemi, peuvent vendre kokosa. Et puis bako komaka eloko wana pour désinstabiliser mitema ya bato oyo bazana kati ya mboka te. Po ba miyoka mabe. Asake la cité reste sous contrôle de FRDC et des jeunes résistants Wazalendo, malgré tous les efforts des rebelles du M23 de la conquérir. À côté des hommes, de nombreuses femmes ont également décidé de prendre les armes et rejoindre la résistance Wazalendo, c'est-à-dire Basimoko Babimaki, Basimoko Babimaki, Batiki Bana, Balandi, Mibali, Oyo Bazali, Bazalendo, Basiwana Balobi Bangope, Bazalendo, Bakukufa Pona Ekolo, Bazui Manduki, Bakei na front. Bokomo na video wana. Bokomo nango. Boni mwa siye pe azo beta bora lobi ke no turoyo. Akokufa epe pona ekolo. Voyez si ça tourne au niveau que même une femme se révolte et que akei na makambo koloba ke non, il faut akufa ka pona ekolo. A combien plus forte rezo bino batu boza e libanda ya mboka. Quel soutien bozo pesa na batu o bazo kufa pona ekolo. Il y a deux femmes dans la cité de Sake. O babandiko tika mazolo, o babandiko tika ba activité na bango, batiki ni bana. Pour voir ce qui se passe, batiki Balandi mibali na front. Bandimi kokoma pe bazalendo. Moi si andimi kokoma mzalendo. Pour mon aboni, ma soule kokende. Décider de laisser momentanément sa famille. Ces femmes décident de laisser momentanément leur famille à côté. En fait de défendre sa terre ou bien leur terre. Dans ce qu'il est toujours en train de penser, qu'il est vraiment nécessaire de défendre sa patrie. Voilà donc, elle lance un message pour le président de la République. C'est lui qui, jusqu'à présent, est le père de la nation congolaise. Explication est le quoi les akolobakeno. Basiwana bamizwaki. Comment est-ce que je peux dire ça? Bazwa qui a responsabilité wana na maboko balobi pe ezana responsabilité na bango ke batika mabele na bango bakende
Si une femme se donne comme ça, si une femme pense déjà comme ça, à combien plus forte raison un homme? Ça montre la détermination de la population même de cette cité à vouloir conquérir même bas espace wana eza occupé par les rebelles du M23. Eza souci na bango. Bazwa mabele wana. Eza souci na bango. Mbuna akotaka jamais dans la cité de Sake. Parce que cette femme, lorsque je parlais avec elle comme ça, elle m'a dit, papa journaliste, tout le monde a koya kao. Aussi ba information ozongi. Bayer moko okuma kana bitumba, omoni ba réalité ozongi. Mais biso toza awa. Je vous dis vrai, la dame là m'a dit ceci. Papa journaliste na l'appel Yonzambe, le M23 va kokotaka jamais na kati ya cité à Sake. C'est ce que cette dame m'a dit. Une dame oya zui manduki, Mozalendu, azui charge wana lobi que non yepe za parmi ses charges. Ya ko défendre patrie. À combien plus forte raison yo osa pété le Liban ya mboka. Ni nous au sala pour la makambwana. Est-ce que vous osez dénoncer? Est-ce que vous osez loba? Ni nous au sala. Mais c'est pourquoi j'appelle, j'attire ici l'attention de tout le monde. Tout le monde oya zo landangai, tout le monde oya zo suivre ngai de partout aux ala, aux en la Belgique, aux en la France, aux en la Angola, aux en la wapi. Il est vraiment important que bosunga kapé biso. Bosunga kabiso, musala oyo tozo sala eza patriotisme. D'une manière ou d'une autre, oko manifeste pe ma patriotisme na yo na sens wana, voyez, pour se déplacer aller au front. Et il nous faut des moyens pour avoir des caméras appropriées, il faut des moyens, des petits trucs comme ça moni. Ba en mosu okuta kabango kuna ebiso atakuto azana nzala. Mais tu te trouves toi même wana ba moyen de bord ezo simbate. Mais si il y a toujours des lisungi à batu oyo peut-être bazana libanda ya mboka, bozana Belgique, bozana France, bozana Allemagne, bozana Angola, bozana kati ya mboka, bozana Congo central, Boma, Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kisanga, n'importe wapi. Bozana moye loko sunga kabiso et ko sunga biso. C'est avec cette motivation que l'ennemi va fuir. Lorsque les femmes commencent à se donner à fond pour voir comment est-ce que l'ennemi va fuir, va abandonner les collines, va abandonner ses localités, va abandonner ses secteurs, place à Fandi. C'est-à-dire, il y a une détermination, il y a aussi de ça, Makamwana. Alors, quel est le message que la dame là a lancé au président de la République? Et qu'est-ce que la dame là a dit personnellement pour le président de la République? Elle a dit ceci, notre président, notre cher, bien-aimé frère, papa, président Félix Antoine Tshisekedi, même en état de femme, nous prenons des armes parce que nous avons assez. Il faut que nous défendons notre entité. Il faut que le président de la République, partout où il se trouve, sache que nous combattons suite à la souffrance qui est devenue énorme. Nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas lâcher. Car ce dernier s'agit na Yamakambo Yamabele. C'est ce qu'elle a dit. Car ce dernier, on a remplacé déjà Bitumba Oyo. Donc, Oyo Bazo Sala Wana, ils ont déjà Likambo Yamabele. Bakotikate. Bandimi na bango ke bakokufa. Tondimi na biso ke tokokufa. Est-ce que yo pe ondimi ke kokufa pona ekolo? Guerre dans l'est de la République, voulais-je dire alors ici, ils ont vu la cité de Sake de leurs yeux, mais ils n'ont pas pu fouler leurs pieds. Je répète ceci, ils ont vu, Bamonaki, cité à Sake, mais qu'on foulait ma colonne à Bangoli, colo à cité à Sake, et si m'a quitté, Bananiwana, ba M23. C'était le mercredi 14 février à Sake, sous le contrôle des jeunes résistants Wazalendo, c'est-à-dire
Cité, il y a Sake et Tikali, Namaboko, il y a Wazalendo, na FRDC jusqu'à présent. Nous restons aux côtés de nos FRDC, nous appelons la population qui est encore dans la cité à amener de la nourriture à nos FRDC, comme nous l'avions fait avec notre héros Mamadou, demande un habitant de la cité. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il est vraiment important. Na place aux Ali, na bisiko aux Fandi, papa Sunga Kabiso. Sunga biso mon cher, il est temps de défendre la patrie. Peut-être yo que vous allez prêter, peut-être tu vas pas quitter la Belgique pour venir directement ici à Goma pour venir à Sake, mais avec le peu que tu peux avoir, tu peux aider. Avec le peu que tu peux avoir. Mais bah ya na sima ya rébellion té. Bah ya na sima ya rébellion té. Obango bazo kanisa non, tout un temps. Tout un état comme la RDC va négocier avec les terroristes du M23. Le Gouda. Ça, c'est une chose que Félix Antoine Tshisekedi a toujours réitéré, qu'il ne va jamais dialoguer avec les M23. Ben M23, balingi na bangoni. Balingi na bangoni, oh, bazoate. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ce qu'ils n'ont jamais trouvé? Quelle insatisfaction jusqu'à ce point? Nini bazo luko bazoate. Kabila pesa nini? Kabila pesa nyoso et pas batouana. Apesa nyoso. Mais est-ce que c'est ce qui a rétabli la paix? Rien du tout. Rien du tout. Les lobaye les sous, il faut négociation. À moins que Félix Antoine Tshisekedi a tourné page. Mais soit tourné page T. Et puis il faut qu'on dise une chose. Tous les peuples congolais, même si aujourd'hui on demande à chacun, chaque Congolais, vous voulez le dialogue ou bien vous voulez faire la guerre. J'essaie de le faire. J'ai posé plusieurs questions, cette question à plusieurs personnes ici à Goma. Je lui demande, vous voulez le dialogue, vous voulez la guerre. Il dit, nous allons faire la guerre, on ne fera jamais de dialogue avec le M23. Otuni ata mwana boya kelasi. Na bitumba oyo ezo sale makoto oyo. Balobi ba solo la po ba mona ba akor oyo ba kozua po bitumba esi la ba mwazu ba tute. Olingi yango wana ba solo bongo to olingi ba beta na kaya bie ba kimisa bango lobi. Il faut to beta Rwanda réglementaire kutu to kwe za tambo kana bango wana po basi ba buma biso ebele. Un enfant m'a dit ça. Que non, si on les laisse inaperçus comme ça, ton négocier na bango ba kozo ba biso. Yango il faut to beta bango. De ton côté, qu'est-ce que tu dis? Mettez dans votre commentaire. Commentez wana. Olobi nini. Olingi dialogue. Olingi. Olingi nini. Olingi. Ato olingi bitumba. Olingi dialogue. Olingi bitumba. Ngana lingi bitumba. Moi, je suis prêt. Je dis, je positionne en déjà la pêche yango. Il faut tout ça là. Bitumba. Bitumba. Plus il y a 12 millions de personnes ont perdu la vie. Ont perdu la vie. Ont perdu la vie. N'a pas barbarie au Jésus Salem à l'est de la République. Je dis aux gens, ce sont des compatriotes congolais qui allaient être nécessaires pour la nation. Ce sont ces gens-là qui allaient sauver cette nation. Des entrepreneurs, ces personnes-là, des commerçants, des grands hommes politiques, des honorables, des ministres, des koufana makambowana. Et aujourd'hui encore négocier. Pourquoi? Bobumela bisobana et plutôt négocier. Tu ne négocies jamais. Jamais, Kagame, on va négocier avec vous. Jamais, on va négocier. Nous restons à côté des FARDC. Tokoufa na bangwana. Tokoufa pour l'école. Tokoufa pour l'école. Vous vous souviendrez qu'il y a des choses qui se passent au pays. Batubo, lingaba, salabisale, la nakati, amboka. Mboka na biso, balingiba, zwango, lokula ya bango. De leur côté, ils veulent nous montrer que c'est Kinshasa qui nous manipule. Kinshasa nous montre combien de fois ces gens sont en train de nous maltraiter, nous tuer. Et c'est ça. Et c'est ça. Bazo Bouma. Lorsque vous larguez des bombes sur le paisible citoyen, les déplacer d'ailleurs. Batoubakou Fio Bazo va déplacer des guerres. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à cette population? Qu'est-ce que vous voulez le faire comprendre? Il y a certains traités au Bakanga qui bango lobby dans la ville de Goma. Makambango Boyoka Kizalu Yasolo. Ezalu Kuta Teza Yasolo. Il y a des gens qui étaient ici à Goma, qui se trouvaient d'ailleurs même dans le gouvernement ici provincial. Oye Bazo pesa ba information à Munguna Kuna. Les gens qui collaborent avec Corneille Nanga pendant qu'ils sont dans le gouvernement, Bakanga ki bango ba défaire bango na Kinshasa. Nous sommes prêts.
eloko wana ya koloba kino baba na ko pandre ko buma ba traître et salema. Il faut et salema comme ça, ça va servir d'exemple. Ça va servir d'exemple. Même Bible yango moko lobi keno mutu moko ako servir des maîtres té. Soit tous en appartient à ya RDC, soit tous en appartient à Munguna. Mais quelqu'un, un agent de l'État qui se donne le poids, le courage et le kilo de collaborer avec l'ennemi. C'est regrettable, ça fait honte et ça fait mal aux yeux. Mal même, mal au cœur même. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous vous disons merci. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Du début jusqu'à la fin, vraiment, nous vous disons merci. Nous en sommes reconnaissants de votre fidélité. Mais également, je rappelle ici bien à l'étanchéité de tout le monde. Ozana moi lisungina yo, ozana moi eloko yo, olingyo sala. N'hésitez pas, fais-le. Ça va nous aider de l'autre côté. Et que sunga bandeko, au quotidien de la ngai ngape na kena sungi bango parce que en permanence je les vois presque chaque jour. Chaque jour je me rends sur terrain pour trouver les nouvelles de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Retenez une chose que la cité de Sake est bel et bien contrôlée par les FRDC et les Wazalendo. Et la population déterminée laisse entendre que la cité de Sake ne sera jamais, jamais récupérée par le rebelle du M23. Retenez aussi que on est à dernier verrou sécuritaire. Ce bal le qui sac va comme la carte en boca gom. Ozana les sungi, ozana suggestion, ozana besoin à plus d'informations, plus à bas détails, na ba eloko songolo. Oko contacte nga na numéro nga privé au plus 243 96 71 93. Je suis Monsieur Youssoufou Kibingila David. Je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la République. Je vous remercie et surtout je vous fixe l'autre rendez-vous à la prochaine. Les lots là vous allez payer au ligne des fraudes pour trouver les nouvelles bonnies et Zosalem les lots plus possible. Les sons amers sont guinés à cause à l'angamei na katia territoire Nyiragongo. Nazo aba info ya moto moto boni makambozo salema. Comme ça, à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci, mesdames et messieurs, et passez une excellente journée. Surtout, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.